Merci. Donc, on va voir la conduite à tenir devant une fièvre apparue, donc après une chimiothérapie, et ceci dans le cadre des urgences en neurologie. Alors, je vais tout d'abord débuter par vous rappeler quelques évidences quant à la pratique donc, de la chimiothérapie. On sait que ce traitement-là n'apporte de bénéfices que lorsque la balance entre l'effet toxique sur les cellules saines et l'effet thérapeutique sur les cellules tumorales est favorable. Et quand on traite un malade à visée curative, un tel risque est justifié. Par contre, quand le traitement il est à visée palliative, un tel risque n'est pas justifié et les médicaments, la prise en charge, n'a pas démontré qu'elle a amélioré la survie. Ceci est dit, donc, la fièvre est un symptôme très fréquent au cours donc, des cancers. Au cours du cancer bronchopulmonaire, par exemple, on le voit dans un tiers des cas au moment du diagnostic. En oncologie thoracique, qui est notre domaine donc, de pratique, on voit que la fièvre elle est fréquente, mais elle n'est pas synonyme donc, de gravité. Mais elle a plusieurs étiologies. L'étiologie la plus fréquente constitue tout de même l'infection. C'est pour ça que je vais cerner un petit peu le sujet, pour vous parler essentiellement de l'infection et surtout de la neutropénie fébrile. Alors, je vais débuter par définir ce que c'est une urgence finalement en oncologie. Là, on est dans le cadre des urgences. C'est toute condition qui entraîne par le cancer ou par son traitement à l'état, s'il n'est pas traité rapidement, il va entraîner ainsi amener à la mort. Donc, de toutes les questions pertinentes, finalement, est-ce que le traitement qu'on inscrit à notre patient, est-ce qu'il est mieux d'être dirigé vers la complication, la fièvre, ou encore pour traiter la maladie de base? Et est-ce qu'il est pertinent parfois de traiter des malades qui ont un pronostic vital et fonctionnel d'emblée qui est compromis? Et là, dans toutes les situations, c'est la situation médicale globale qui va nous orienter notre prise en charge. Alors, les urgences, il y en a plusieurs, ceux qui sont liés à la maladie, soit directement au cancer, ou encore qui sont indirectement liés au cancer, et les autres qui sont liés au traitement. Et là, dans toutes ces étiologies, on trouve que la fièvre est un symptôme très fréquent qui est retrouvé dans la majorité de ces étiologies. Donc, je commence par vous dire un petit scénario, une situation clinique, une situation que nous rencontrons fréquemment. Un patient dont l'âge est supérieur à 70 ans, qui a un grand allergique, bronchopathe chronique obstructive, qui présente un adénocarcinome pulmonaire classé stade 3B, qui a reçu une chimiothérapie à base d'alimita cisplatine et qui revient 5 jours après la dernière cure pour une fièvre que d'après lui, elle est chiffrée à 39 et vous examinez votre patient, vous ne trouvez rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la situation classique auquel on est confronté souvent. Alors la première des choses, il faut qu'on confirme la fièvre. Est-ce que c'est une fièvre? Et le diagnostic de la fièvre est porté sur une fièvre supérieure à 38,5 pendant moins d'une heure ou supérieure à 38, il faut que là on trouve et on met en évidence un pic à 38,5. Selon les ESMO, une hypothermie de moins de 36 est considérée comme un signe de gravité infectieux et elle est considérée ainsi comme une fièvre. Faites attention donc au traitement que prend votre malade, les anti-inflammatoires, les antipyrétiques, ils peuvent masquer une fièvre. Là, on est peut-être dans un cadre de fièvre qui n'est pas étiqueté. Il n'y a pas donc d'indication de prendre la température par voie rectale car il y a un risque infectieux, il y a un risque d'ulcération. Ceci est dit, donc on a confirmé la fièvre, que faire? Donc il y a trois éléments essentiellement qu'il faut relever chez un patient donc, qui a reçu une chimiothérapie qui vous consulte pour une fièvre. D'abord, il faut voir la date de la dernière prise de chimiothérapie. Deuxièmement, il faut voir si votre patient a une neutropénie ou non. Et il faut savoir à quel degré cette neutropénie, est-ce qu'elle est inférieure à 500 éléments par millimètre cube. Puis, bien évidemment et parallèlement, il faut bien examiner le malade à la recherche de signes de gravité. Donc ces signes-là incitent une hospitalisation d'urgence et un traitement adéquat en urgence. Ces signes sont bien évidemment l'altération de l'état des fonctions supérieures, les signes neurologiques, les signes cardiovasculaires, etc., etc. Donc là, c'est les éléments qu'il faut relever chez le patient qui présente une fièvre. Devant cette fièvre, chez un patient qui a reçu une chimiothérapie, il y a des guidelines qui sont claires quant à l'examen et à la prise en charge thérapeutique. La majorité des référentiels, la majorité donc, des sociétés
reprennent les recommandations de le NCCN, National Network of Cancer Care, et ils sont repris, ils sont mis à jour, on trouve maintenant des mises à jour chaque année pratiquement, et là ils nous disent précisément ce qu'il faut faire et quels sont les examens complémentaires à réaliser devant un patient qui présente une fièvre. Je vais rapidement reprendre ce qu'il est recommandé. Tout d'abord, donc, devant un patient donc, de première intention, il faut un examen minutieux, un interrogatoire précis quant à la prise médicamenteuse. Est-ce que l'examen va retrouver des cathéters? Est-ce qu'il y a une apparition d'un souffle qui n'existait pas? Est-ce qu'il y a un syndrome mélangé? Donc là, de première intention. Puis, il faut rechercher une cause non-infectieuse autre que l'infection par un examen clinique. Il faut rechercher ce que le patient a des signes de thrombophlébite. Il faut voir est-ce que le patient présente une fièvre qui est prolongée ou non. Et en absence d'orientation, ou même avec l'orientation, quelques examens sont recommandés. Si le patient il est hospitalisé, il faut réaliser une radiographie thoracique, hémoculture, un ECVU et un ECVC. D'autres examens seront demandés en fonction de l'orientation clinique. Dans notre domaine d'action qui est l'oncologie thoracique, les médicaments qu'on prescrit à nos malades ne sont pas très pourvoyeurs d'infections sévères. Le cancer bronchopulmonaire rejoint un petit peu ce qu'on voit au cours des tumeurs solides. Donc on est classé dans le risque de degré faible de survenue d'infections sévères chez les patients dans mon oncologie thoracique. Donc finalement, un bilan initial, un bon examen clinique avec quelques examens complémentaires, ainsi qu'une évaluation du risque, vont juger de l'aptitude thérapeutique. Est-ce qu'on va hospitaliser le patient, prescrire un traitement par voie intraveineuse, ou encore, donc les patients sont considérés à faible risque, et ainsi le traitement peut être même conduit en ambulatoire. Alors, comment on va individualiser ces risques? Il existe pour cela donc des recommandations. Et là, ces recommandations se basent sur le type de cancer, la durée de la neutropénie, la présence ou non de mucite, une complication qui est devenue de plus en plus fréquente chez nos patients qui reçoivent donc une première ligne, une deuxième ligne, voire même des troisième lignes. Donc la recherche des comorbidités, le type d'infection, est-ce que l'origine infectieuse a été déterminée, documentée ou non? Donc il est classé donc risque faible quand la survenue de la neutropénie est inférieure à 7 jours, le cancer est considéré comme un cancer solide, tel est le cas donc, du cancer bronchopulmonaire, l'absence de mucite et la fièvre reste d'origine indéterminée. Autrement, le risque il est classé comme haut. Alors, mais comment définit finalement la neutropénie? La neutropénie, elle est définie par un taux de leucocytes inférieur à 500 ou inférieur à 1000 avec une prédiction que ce taux va baisser à 500 dans les 48 heures. C'est-à-dire, par rapport à notre patient que je vous ai présenté, ça fait 5 jours qu'il a reçu sa chimiothérapie. On sait que le point nadir apparaît à partir du 8e jour et qu'il persiste au 16e jour après une chimiothérapie. Donc s'il a, par exemple, 700 ou 800, on sait que dans les 48 heures, la probabilité que le taux de notre vie va baisser est importante. Donc on va dire là, on est dans le cadre de neutropénie, en la présence d'un signe de fièvre. Et on sait très bien que l'infection, elle est de plus en plus probable et sévère, plus le taux de neutropénie est important. Plus on rejoint un petit peu le chiffre de sang, plus donc l'infection, elle est sévère. On va donc se retrouver au niveau, donc, et isoler trois situations. Soit qu'on a une fièvre microbiologiquement documentée, on a isolé un germe, à partir d'un prélèvement qui jugeait de localité. Ou qu'on ait une fièvre cliniquement documentée, c'est-à-dire des signes cliniques nous ont orientés vers telle ou telle infection. Une pneumopathie est apparue chez un cancéreux, on avait les images radiologiques anciennes du cancer, et on va voir un foyer qui apparaît. Et là, on est cliniquement dans le cadre de fièvre cliniquement documentée. Ou encore, dans une troisième situation, on est face à une fièvre dont l'origine reste donc indéterminée, inconnue. Les prélèvements ne poussent pas, par exemple, ou l'examen clinique n'oriente pas, ou l'imagerie reste normale et n'oriente pas vers l'étiologie. Des trois situations qu'on identifie face à une fièvre neutropénie, il y a quelque chose qu'on doit juger à part, c'est l'infection respiratoire basse à pseudomonas. Elle nécessite un traitement donc adéquat et justifié et adapté.
Alors, les cancéreux font beaucoup de fièvre parce qu'il existe des facteurs favorisants quant à la compétence qui est abaissée et par rapport à l'altération des barrières. Et de là, il y a une stratification, et cette stratification, donc par rapport à ce risque, elle est jugée de bas ou de haut risque. Elle découle de cette stratification un score, et ce score va guider notre attitude thérapeutique. Alors ce score, donc, il a été choisi de manière empirique de comparer les hémopathies, surtout les leucémies aiguës, versus les cancers solides. Donc de rechercher les neutropénies longue durée, les neutropénies courte durée, donc, et de les comparer. Il y avait une étude qui a essayé d'identifier les patients à faible risque au début donc, de leur période de neutropénie. C'est qui a donc intéressé une série très importante. 15 pays ont participé dans cette étude et il a été étudié 43 variables avec évaluation des risques de complications. Ce qui a découlé de cette stratification, c'est le score de MASC. Et c'est le Multinational Association for Support of Care in Cancer qui a donc recommandé ce score pour voir le nombre de points qu'on récolte chez un patient donc, qui présente une fièvre avec une neutropénie. Revenons à notre cas, si on voit un petit peu donc, que la bronchopathie chronique obstructive ampute nos malades donc, de 4 points et l'âge à plus que 60 ans lui fait perdre aussi 2 points, donc on est à 20 points. Et ce qui est recommandé, donc, c'est que si le score est inférieur à 21, il est jugé de haut risque donc, d'infection et nécessite une hospitalisation et mise en route d'un traitement en milieu hospitalier, parfois intraveineuse, alors que si le score il est supérieur, strictement supérieur à 21, un traitement peut être proposé en ambulatoire en absence de signes de gravité. Donc vous voyez, par rapport à nous, en cancérologie thoracique, donc ce score reste difficile à appliquer. Ainsi, donc, quels sont les germes qui sont en cause donc, de l'infection au cours de ces neutropénies fébriles? Depuis 30 ans, ce qu'on remarque à travers les différentes publications, c'est que le taux des BGM sont en train de diminuer et on voit une augmentation des coxygrains plus. On voit aussi des doses très importantes de prescription d'antibiothérapie et on voit aussi la naissance des résistances aux molécules de jour en jour. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a quelques germes qui n'existaient pas dans les années 90 et au début des années 80 dans la littérature, on les voit de plus en plus, tels le pseudomonas et les anaérobies. Donc notre attitude doit aussi s'orienter par rapport à ces germes-là. Il est clair que le traitement va traiter, donc selon en fonction de l'aspect clinique et de la présentation, par rapport à la lésion où elle existe, par rapport à l'infection où elle existe, est-ce qu'au niveau de la peau, est-ce que c'est le cathéter et il y a une infection au niveau du cathéter, est-ce que l'infection elle est ORL ou encore elle est bronchopulmonaire. Et là je rappelle que la présentation clinique et radiologique va aider, comme a dit mon ami Dr Assi, pour suspecter un germe et orienter une antibiothérapie en fonction de la suspicion clinico-radiologique. Donc, le diagnostic de neutropénie fébrile est retenu, que faire? Et là, on a dit que la neutropénie fébrile constitue une urgence par excellence en oncologie thoracique. Il faut débuter rapidement une antibiothérapie et il faut réaliser des hémocultures dans les 60 minutes après la présentation. Il ne faut pas que la radiographie thoracique, sa réalisation, ne doit pas en aucun cas retarder la mise en route du traitement. L'antibiothérapie doit être choisie en fonction du profil du patient, s'il a un problème d'allergie ou autre, et le profil local ou personnel. Donc, exemple, on peut prescrire donc, une antibiothérapie qui a une action sur le staphylocoque aureus résistant à la méthicilline ou encore qui a une action contre l'entérocore résistant à la vancomycine. Plusieurs antibiothérapies, ce qu'on retrouve dans la littérature, entre guillemets, standards, ont été validées dans ce contexte, à savoir donc les piperacillines, l'étazolée, les céphalosporines troisième génération, en association ou non avec un aminosite. Et si jamais l'aminosite est contre-indiqué par une néphrotoxicité, ce qui n'est pas rare donc en oncologie, donc on peut là proposer un fluoroquinolone. Et là, on doit toujours faire attention aux doses qui doivent être adaptées en fonction de l'atteinte rénale. Alors, monothérapie ou en association, est-ce qu'il faut prescrire un anti-SRM d'emblée? Quand est-ce qu'il faut arrêter les antibiotiques? Est-ce qu'en obtenant une apérexie, y a-t-il un délai? Est-ce que le traitement par voie orale ou intraveineuse
est différent, ou encore quand est-ce qu'il faut faire une prophylaxie et quelle est la place des facteurs de croissance dans ces contextes-là. Je vais essayer de répondre rapidement aux questions un à un. Alors, monothérapie ou en association, il a été démontré à travers une méta-analyse que l'association l'emporte par rapport donc, à la monothérapie dans les cas où, donc, dans les cas où l'infection elle est prescrite. Et là, l'antibiothérapie, c'est la bétalactamie. Toutefois, il n'y a pas été démontré donc, de supériorité en termes d'effets secondaires ou de néphrotoxicité. Donc, l'analyse critique de ces méta-analyses a mis en évidence que la comparaison qui a été faite à travers cette méta-analyse comparait des bras qui n'étaient pas finalement comparables et puis qu'il était considéré comme échec thérapeutique les effets secondaires. Donc, beaucoup de critiques quant à l'association ou à la monothérapie. Un anti-SRM précoce ou non, d'emblée, il y a des éléments qui sont pour, des éléments qui sont contre. Les éléments qui sont pour, je vous ai dit tout à l'heure qu'on remarque de plus en plus une augmentation des infections à coccygrain plus. Donc là, ça pourrait donc justifier cette prescription. Il peut aussi diminuer l'exposition à des antifongiques. Il y a une meilleure couverture, donc des streptocoques qui sont mal couverts par certains protocoles qui sont recommandés. Mais ce qui est contre, donc c'est que les coccygrin plus sont moins virulents. Sachez que le taux de mortalité par neutropénie fébrile avoisinait les 40-50% dans les années 90. Maintenant, on voit de moins en moins et les séries rapportent un taux de l'ordre de 13% en moyenne. Donc, peu de réels pathogènes ou cimétirésistants sont rapportés dans la littérature. Donc, la mise en route de la vancomycine pour agir sur l'onde de SARM est indiquée dans l'insuffisance cardiaque patente. Quand il y a des mucites, quand on a authentifié une colonisation par le SARM, quand les hémocultures isolent un coccygrin plus, quand il y a une hypotension, un sepsis, et bien évidemment, la prophylaxie par l'équinolone. Alors, arrêt de traitement après apérexie, quand? Essayons de voir ensemble dans cette salle un sondage. Qui parmi vous aurait arrêté ou continué jusqu'à la neutropénie, jusqu'à la sortie de neutropénie d'un patient jeune qui est sans antécédents, ayant une neutropénie fébrile, on a isolé à aller chercher un colis chez lui, on a traité avec l'amoxicilline acide clavulanique et on a obtenu une apérexie au bout de 36 heures. Donc le patient est apérétique depuis 6 jours et le taux de neutrophile reste de 2 à 250. Est-ce que vous arrêtez au bout de combien de temps? Et là, je suis certaine, même si vous n'avez pas levé vos mains, je suis sûre qu'il y a ceux qui vont dire « non, on n'arrête pas », ceux qui vont dire « oui, on continue jusqu'à la sortie de la neutropénie ». Donc finalement, les réponses ne sont pas claires aussi dans la littérature. Par voie orale, ce qui est recommandé quand le score de masque, celui que j'ai rapporté pour dire « il y a un faible risque », oui, quand le score de masque est supérieur à 20, quand il n'y a pas de facteur de risque, il existe une méta-analyse qui a confirmé et la prescription par voie orale était à égale chance par rapport à la prescription par voie intraveineuse, donc des molécules. Et puis, donc, prophylaxie. Quand est-ce qu'on prescrit une antibiothérapie pour prévenir un risque infectieux chez un patient qui reçoit une chimiothérapie? Donc, à la sortie de chimiothérapie, est-ce qu'il y a lieu de prescrire des antibiotiques pour dire peut-être qu'on peut prévenir ce risque d'apparition des infections? Et là, il n'y a pas vraiment de risque et de bénéfice significatif quant à l'apparition de sepsis ou de décès de patients. Donc ça n'altère pas et ça ne change pas les facteurs qu'on étudie souvent qui sont essentiellement la survie. Et donc il n'y a pas aussi d'évaluation de résistance dans ces études-là. Donc prophylaxie par antibiothérapie, très discutable. Les facteurs de croissance au cours de la neutropénie. Quand ceux-ci ont déjà été prescrits dans un visée prophylactique, il ne faut pas les arrêter, il faut les continuer. Et si les facteurs n'avaient pas été prescrits auparavant et on a une apparition de neutropénie fébrile, donc de façon prophylactique, il n'est pas recommandé d'en débuter. Il y a une méta-analyse qui a démontré clairement que prescrire des facteurs de croissance au moment de la neutropénie n'avait pas de bénéfice. C'est d'abord très coûteux, il n'y a pas d'avantage par rapport à la survie, il y a beaucoup plus de complications. Les malades chez qui des facteurs de croissance sont prescrits présentent des effets secondaires qui sont mal tolérés, notamment les douleurs osseuses, et il peut y avoir même l'apparition de fièvre. Donc, ils ne sont pas recommandés dans l'épisode. Les lignes directives de la NCCN sur l'emploi des facteurs de croissance dans l'intrapédiaire est non recommandée.
soit, elle peut être considérée chez les patients dont l'âge est supérieur à 65 ans, chez qui le tableau infectieux est non contrôlé, la fièvre elle persiste, la neutropénie persiste au-delà de 10 jours, on peut les proposer, et surtout quand la neutropénie est profonde, quand il y a un foyer de pneumopathie qui n'évolue pas du tout, et quand il y a des signes de gravité. Toutefois, ce que je cite là, on le voit surtout dans les hémopathies et dans les leucémies, dans les tumeurs solides comme le cancer bronchopulmonaire, on en voit rarement. La prévention de la neutropénie. Maintenant, le patient a fait un épisode, comment je vais prévenir? Suite donc à ce premier épisode de neutropénie, il y a des mesures correctives qui peuvent être entamées et qui devraient être prises en considération. D'abord, il faut penser à réduire les doses donc de la chimiothérapie parce qu'on a vu apparaître une complication qui n'est pas du tout dénuée de risque. Et on peut aussi proposer une prophylaxie chez certains patients par les facteurs de croissance ou encore associer les deux attitudes à la fois. Dans le cas où le maintien de la dose et l'intensité, comme quand on est avisé curatif ou quand on est avisé adjuvant après une chirurgie, là ça justifie donc de prescrire des facteurs de croissance pour les cures pour les prochaines cures. Dans le cas où on est avisé palliatif, là, aucune justification de donner des facteurs de croissance et la réduction de la dose de la chimiothérapie suffit. Les lignes directives par rapport à la prévention aussi de la neutropénie fébrile, donc finalement, il faut voir le taux, donc est-ce que la prévision de neutropénie anticipée est au-delà de 20% ou inférieure à 20%, et ceci en se basant sur la molécule qu'on prescrit. Et donc, si la neutropénie fébrile anticipée est entre 10 et 20%, ce qui est la majorité des cas des cancers bronchopulmonaires, il faut reconsidérer donc, les indices de gravité pour pouvoir donc, proposer donc, les facteurs de croissance. Un bénéfice de survie significatif a été démontré sur une méta-analyse qui fait que donc, l'évaluation du risque elle est importante. Les molécules nous, qu'on utilise dans le cancer bronchopulmonaire, essentiellement, les toposites, carboplatine ou encore dans le cancer non à petites cellules, ont un risque intermédiaire de neutropénie fébrile de l'ordre donc de 10 à 20%. Donc finalement, on est jugé à un risque intermédiaire. Résumons, donc, beaucoup de questions, très peu de réponses. Et là, il y a un double impératif. Le bénéfice individuel est important du patient. La décision doit bien évidemment prendre en considération donc les chances que présente le patient. Il faut bien évidemment connaître le bon usage de l'antibiothérapie. Il faut bien évidemment agir sur un spectre présumé, ajuster aux posologies et la rythmicité de l'administration, elle est aussi à juger. Donc là, on se réfère souvent à une bibliographie. Chaque fois, une neutropénie fébrile survient. Il a des attitudes qui ont été validées par rapport à l'antibiothérapie initiale, voir ce qu'il y a un succès ou un échec pour connaître quelles molécules faut-il changer et faut-il donc préserver. Revenons maintenant à notre cas. Notre patient ne présente ni de neutropénie, il n'a pas de signe d'orientation et il a pratiquement une fièvre isolée. Là, je reviens à la quatrième donc, attitude que propose la NCCN pour demander des examens pour faire penser, donc pour penser plutôt à d'autres diagnostics. Et là, la fièvre peut être due à plusieurs étiologies, telles la compression, la thrombose, le syndrome de l'isthmora, la progression tumorale, etc., etc. Et donc, les tableaux sont variables et les données cliniques sont très importantes pour orienter. Je rappelle deux petites choses uniquement. De un, l'allergie. Donc, on en voit. Les molécules qu'on utilise, notamment les taxanes, peuvent être pourvoyeurs d'allergies. Souvent, cette allergie, elle est immédiate, elle est rarement retardée, donc elle n'est retenue qu'après avoir éliminé toutes les autres étiologies, en particulier donc l'infection. Le plus souvent, donc l'interrogatoire et l'histoire clinique peuvent nous orienter vers ce diagnostic. La réalisation d'examens complémentaires et les tests cutanés ne sont pas du tout recommandés. Quant à la fièvre paranéoplasique, c'est une fièvre qui persiste depuis au moins 15 jours, sans signe d'appel. Et là, le critère biologique important que nous demandons actuellement de plus en plus, même s'il n'existe pas à notre hôpital là où je travaille, c'est la procalcitonie, même si parfois il existe des faux positifs quand il y a des métastases, donc ça peut être élevé, et donc ça peut nous orienter vers une enquête donc infectieuse plus appropriée.
Et on revient donc la cause paraméoplasique après avoir donc éliminé une infection. Donc, en conclusion, la pierre angulaire dans l'attitude thérapeutique de la fièvre après une chimiothérapie, c'est de reconnaître bien le syndrome clinique. Il existe des cas qui nécessitent fréquemment une prise en charge multidisciplinaire, parfois le recours donc à une hospitalisation ou réanimation s'avère nécessaire pour les patients qui sont jeunes, dont le pronostic fonctionnel et vital n'est pas compromis. Donc c'est un sujet qui reste tout à fait d'actualité et c'est un sujet chaud. Je vous remercie.